Il est rare où l'on trouve un formulaire qui ne contient pas de cases à cocher, mais la gestion de celles-ci est un peu différente de leurs homologues comme les ondes de texte, les listes de sélection ou les textes ELIA. Sur cette page, nous avons un formulaire qui renferme trois checkbox qui ont respectivement les valeurs HTML, CSS et JavaScript. Il y a aussi un bouton de soumission du formulaire de type Submit et le résultat sur le navigateur ressemble à ceci. La première opération à faire est de nommer ces checkbox. Donc on va ajouter l'attribut name comme ceci. Nous avons l'habitude de donner des noms différents aux champs de formulaire. Mais pour les checkbox, remarquez bien qu'ils constituent un seul groupe. Alors il est judicieux de les nommer avec le même nom. On mettra donc ici CH, mais au lieu de conserver le nom comme ça, on va lui ajouter des crochets comme un tableau. Désormais, le code PHP qui va suivre va considérer tous ces checkbox comme étant les éléments d'un seul tableau. On va faire la même opération pour les autres checkbox. Ensuite, nous allons récupérer les postes avec du PHP. On mettra juste CH sans décrocher. Comme ça. Ensuite, le bouton valider.